L'eau, toute matière se caractérise aussi par un coefficient d'expansion thermique, c'est-à-dire que lorsque vous chauffez une matière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dilate. Sauf l'eau. L'eau, si vous la chauffez, elle se contracte. Alors ça, c'est important. Vous amenez de l'énergie, donc vous permettez d'aller plus vite, en vitesse. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que cet apport d'énergie, au lieu de provoquer une expansion, provoque une réduction. Donc cette propriété, l'eau la présente, et elle se produit exactement, très exactement entre 0 et 4 degrés. Parce que si vous allez au-delà de 4 degrés, qu'est-ce qui se passe? Ben là, l'eau fait comme toutes les autres substances, si vous la chauffez, elle augmente de volume. Mais entre 0 et 4 degrés, elle fait l'inverse. Donc si elle diminue de volume en dessous de 4 degrés, si elle augmente de volume en dessous de 4 degrés, ça veut dire quoi? Qu'à 4 degrés, son coefficient de dilatation est nul, puisqu'on passe de positif à négatif. C'est-à-dire qu'à 4 degrés, l'eau est indifférente aux petites variations de température, elle ne change pas de volume. Faut savoir que cette température de 4 degrés, on la trouve partout. Pourquoi? Parce que c'est aussi la température où l'eau atteint son maximum de densité. Et vous avez une loi qui s'appelle la loi d'Archimède. Deux substances qui ont des densités différentes, qu'est-ce qu'elles font? La plus dense se met au-dessus, la plus dense en dessous. Donc si vous avez une eau qui est à 4 degrés, qu'est-ce qu'elle fait? Comme c'est elle qui a la densité maximale, elle coule. Elle tombe au fond. Et qu'est-ce que vous trouvez en surface? Une eau qui est plus chaude. Qui est plus chaude. Parce que si elle est plus chaude, elle est moins dense. Et donc elle se trouve en surface. Et donc vous comprenez que chaque fois que vous avez une masse d'eau et que vous descendez en profondeur, à quelle température vous vous trouvez? 4 degrés. Toujours. Dans tous les lacs, dans toutes les mers, toujours 4 degrés. Et l'eau plus froide ou plus chaude reste en surface. Et c'est pour ça que vous ne congélerez jamais un océan ou un lac. Ce que vous arriverez à congeler, c'est la surface. Mais en dessous, si le lac est assez profond, et l'océan, je vous rassure, il n'y a pas de souci, lui, il est très profond, il ne pourra jamais congeler parce que la température est constante et de 4 degrés. Et c'est pour ça que la planète Terre a pu traverser des âges glaciaires où la température en surface est descendue à moins 60, moins 70. C'est ce qu'on a appelé les épisodes Terre-boule de neige. Je peux vous dire qu'en surface, il n'y avait plus de vie, hein. Mais en dessous, là, sous la glace, à une température de 4 degrés, ça continuait à grouiller. Et dès que le climat s'est réchauffé, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la glace a fondu et toutes ces espèces qui attendaient patiemment, qui sont évidemment des bactéries, whoop, elles sont remontées en surface et tout le cycle de la vie est réapparu, parce que tout était là pour recommencer. Donc vous voyez, cette propriété est très banale, mais c'est aussi quelque chose de très important. Parce que ça nous permet, oui. Et donc, en fait, l'eau plus froide, l'eau qui fait moins de 4 degrés, elle est plus légère que l'eau qui fait 4 degrés. Oui. Et l'eau qui fait plus de 4 degrés, elle est aussi plus légère que voilà. l'eau qui fait 4 degrés. Oui. Donc entre les deux cas, elle est au-dessus. C'est pour ça qu'on est toujours à 4 degrés en dessous. D'accord. Non, c'est pas que c'est juste la loi d'Archimède. Le plus dense va toujours en dessous. Est-ce qu'il y a un rapport avec les températures de conservation des aliments, comme on le voit partout, à conserver entre 0 et 4 degrés? Bien sûr, oui. Alors là, c'est un petit peu l'avantage de 4 degrés, c'est que le métabolisme bactérien est très ralenti. Il n'est pas nul. Mais il faut savoir que les enzymes, celles qui transforment les molécules, on va en parler tout à l'heure, les protéines, ont un optimum de fonctionnement vers les 30 et 40 degrés. Donc comme l'activité est exponentielle, si vous descendez à 4, vous ralentissez considérablement le métabolisme de toutes les bactéries. Il n'est pas nul, hein, mais ça veut dire que vous pouvez conserver l'aliment beaucoup plus longtemps. Donc,
C'est une température qui est assez intéressante, et puis ça correspond effectivement au point où l'eau a sa densité maximale. Donc si on prend un grand seau ou je sais pas quoi, avec de la glace, avec de l'eau, si on les laisse dégeler, au bout de quelques heures, on va avoir 4 degrés au fond, là. Oui, oui, toujours. Même quand il y a de la glace. Même quand il y a de la glace. Parce qu'en fin de compte, c'est comme s'il y avait une petite fusion en permanence ici, là, à ce niveau-là, non ? Quelque chose qui maintient une énergie, une chaleur. Oui. C'est la capacité calorifique de l'eau. Ouais, c'est ça. Pour maintenir la vie, quoi. Quand vous avez de la capacité calorifique, ça veut dire quoi ? Que si l'environnement est très froid, vous allez donner de la chaleur. Et si l'environnement est très chaud, vous allez l'absorber. Ah ben oui. Et puis du coup, ça... Donc, ça veut dire que vous allez réguler la température extérieure. Et c'est pour ça que les océans, les lacs, sont des régulateurs de température. Ah, oui. Parce que le soleil, lui, il chauffe en permanence. Mais comme l'eau est là, où va l'énergie ? Elle ne fait pas monter la température, elle fait modifier l'état de mouvement des molécules d'eau. C'est-à-dire qu'elle s'agite plus vite, mais ça on s'en fiche, ça veut dire que l'eau, elle change de température, mais elle reste liquide. Donc c'est pour ça que ses propriétés, capacité calorifique, densité, coefficient d'expansion thermique, tout ça, on voit qu'il y a tout un ensemble de propriétés qui sont assez critiques. Et alors, le coefficient thermique, c'est par exemple le réchauffement climatique, il faut en tenir compte. Pourquoi ? Bien parce que quelle est la température de moyenne de la surface de la Terre ? C'est 15 degrés, hein, à peu près, en moyenne. Parce qu'il y a des régions où il fait beaucoup plus chaud, il y a des régions où il fait beaucoup plus froid. Donc mais si on fait une température moyenne, on est à 15 degrés. 15 degrés, vous voyez, on est au-dessus de 4. Ça veut dire que je suis dans un domaine où si je chauffe l'atmosphère, qu'est-ce qui se passe ? L'eau augmente de volume. Donc ça veut dire que si je gagne quelques degrés Celsius de température moyenne dans la planète, je passe par exemple de 16 à 17, pour la même quantité d'eau, en nombre, je vais avoir un volume beaucoup plus gros. Donc le niveau des mers va monter. C'est ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que tous les gens, si vous avez une villa juste au bord de la mer, mais fuyez ! Fuyez ! Parce que je peux vous dire que dans 20-40 ans, votre villa, elle sera complètement sous l'eau. Il faut la vendre, non ? Il faut la vendre avant que... Donc il faut aller se mettre en hauteur, parce que il va y avoir une expansion de l'eau. Alors, il y a aussi quelque chose, et ça c'est assez contre-intuitif, mais je vous le dis aussi, c'est que l'eau qui se réchauffe, ça bien sûr, ça veut dire que les océans vont monter en volume, sauf à un endroit, au pôle. C'est l'inverse. Ou c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, au contraire, le niveau de l'eau va diminuer. Diminuer. Il va diminuer alors qu'on va rajouter plus d'eau puisqu'on fait fondre de la glace. Et pourtant, il y a de l'eau liquide qui rentre dans la mer et on voit la mer qui se retire. Est-ce que vous comprenez pourquoi ? Normalement, quand vous faites fondre un glaçon, donc, ce qui explique pourquoi si vous prenez un verre d'eau et que vous mettez un glaçon, l'eau va déborder. Mmh. Mais pas au pôle. Donc ça, c'est l'attractivité, ce qui explique pourquoi au pôle, il y a du pétrole, parce qu'avant qu'il y ait de la glace, il y avait de la verdure. Oui, oui, oui. Que la quantité d'eau sur la planète, elle n'a pas bougé. Ah non ! Mais par contre, quand elle est sous forme de glace, elle est sur la Terre. Quand elle est sous forme de liquide, elle ne peut pas rester sur la Terre, elle est obligée d'aller dans la mer. Et là, vous avez une force qui s'appelle la gravitation. C'est-à-dire que quand vous avez une énorme masse de glace sur de la Terre, qu'est-ce qui se passe ? Ben, cette masse de glace attire l'eau liquide, par attraction. Et donc, le niveau de la mer monte. C'est les marées. Hein. Quand la Lune se met en bonne position, qu'est-ce que vous voyez ? Que l'eau monte, et quand la Lune se met un petit peu plus loin, l'eau descend. Ben là, quand vous avez de la glace sur un continent, c'est pareil, mais l'eau ne peut que monter. C'est-à-dire que le continent, la glace sur le continent a un effet attractif et maintient le niveau de la mer trop élevé par rapport à ce qui serait, à cause de cette attraction. Si maintenant vous faites disparaître la glace, il n'y a plus cette force d'attraction, et la mer retrouve son niveau normal, et donc qui, lui, est beaucoup plus bas. Donc c'est pour ça que
Le réchauffement climatique, ça va avoir des conséquences. Si vous êtes dans les régions tempérées, vous allez être inondé. Mais si vous êtes au pôle, vous allez voir au contraire des terres immergées qui vont apparaître. C'est comme ça. Il faut le savoir. Donc il faut aller habiter au pôle. Il y aura plus de terres disponibles et pas en bordure de côte. Hein ? Attraction, gravitation universelle. Deux masses s'attirent toujours. Oui. Parce que deux masses s'attirent. La masse de glace attire la masse de la mer. La glace a une certaine masse. La mer a une certaine masse. Le produit des masses donne une force d'attraction. Appel. Et si on suit la rotation de la danseuse hier, oui. La Terre, elle pourrait tourner plus vite, non ? Ah, ça changera plein de choses. C'est pour ça que les gens qui s'amusent avec le réchauffement climatique, ben moi je les retire mon chapeau, parce qu'ils disent n'importe quoi en fait. Parce que c'est tellement complexe, tout est tellement interlié, que pour savoir ce qui va se passer, moi je préfère ne rien dire. Mais tous les gens qui font des extrapolations, des modèles, il suffit qu'ils oublient un paramètre et ils auront complètement faux. Est-ce qu'on est sûr d'avoir mis tous les paramètres dans le modèle? Et ça, je peux vous dire que non. Parce qu'il y a une chose qu'on ne sait pas faire en science, c'est mettre tous les paramètres. Qu'est-ce qu'on fait en général? On met les paramètres qui nous arrangent. Parce qu'on va faire des prédictions, on va dire c'est comme ça, et ça va permettre de faire de la politique. Et c'est ce qui se passe actuellement. On a des modèles qui sont paramétrés, qui nous disent la température va augmenter de 2 degrés dans 50 ans, il va y avoir des inondations, il va y avoir des ceci, il va y avoir des cela, on vous prévoit tout un tas de trucs, et après, qu'est-ce qui arrive dans votre vie de tous les jours? Ben, une nouvelle loi. C'est-à-dire qu'on va taxer le carbone. Mais ça, c'est une décision politique, basée sur un modèle. C'est vrai que c'est bon si le modèle est bon, mais est-ce que le modèle est bon? On ne sait pas. Donc, il faut toujours faire un petit peu attention avec ces... le réchauffement climatique. Bon, bah oui, la Terre augmente de température, ça c'est indéniable. Mais quelles seront les conséquences? Moi, je ne sais pas. Une seule chose est sûre, par contre, c'est que l'homme disparaîtra. Ça, c'est à peu près sûr. Mais tout le reste, s'adaptera. Hein.